salut. Donc voilà, je suis en Irlande, je suis à Dublin. Alors j'essaie de ne pas m'éloigner trop de la maison parce que je ne veux pas regarder le wifi. Donc voilà, donc je suis dans une petite, dans les faubourgs résidentiels de Dublin. Voilà, donc je vous montre un petit peu là. Voilà, là c'est ce qu'on peut imaginer. Voilà, je vous présente Charlotte. Là, Charlotte, c'est le nom de la voiture de mon ami. Ah, tiens, il y a Obé qui parle dans le truc. Tu sais que tu es en direct dans ton interphone là, Obé ? Ah, très bien, donc la charge va commencer. Parce que tout seul, je n'avais pas réussi à démarrer la charge de la voiture apparemment. Voilà, donc là c'est bon. Parce que voilà, je suis allé faire un petit tour avec. Bah, elle vient de s'ouvrir là. Faut que je la referme du coup. Bizarre ce truc. Elle vient de se déverrouiller. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole ? Donc je la reverrouille. Parce que quand même quoi. Bon, et là ça continue à charger ou pas ? Hop, hop. Oui, alors regardez. Alors, je sais pas si vous voyez l'intérieur. Il y a des petites diodes de vert et orange là qui disent que ça charge. C'est de toute beauté. Peut-être on verra mieux de l'autre côté parce que là il y a des reflets. Hop, hop. Ouais, il y a des reflets aussi. Hein. Je sais pas comment je peux faire pour tuer les reflets, mais. Enfin, bref, voilà, là on voit mieux. Regardez ça, les petites bandes vertes là, c'est pas beau ça. Oh là 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 là, quelle voiture. Bon, enfin bref. Donc voilà, je viens de faire une petite balade à Glendalough avec Charlotte pour nous emmener. Puis après, on a marché, on a fait une petite rando avec ma femme et mon fils. Et donc, c'était super. Et voilà, comme on est mercredi soir, et bah, du coup, je fais un petit live, comme d'habitude, pour vous dire coucou, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de cours de maths, hein, je vous l'avais dit. Donc, mais c'est juste pour ceux qui se demandaient. Donc, ce sera la semaine prochaine. Hein. Et donc voilà, donc je suis chez un copain qui s'appelle Obé. Enfin, c'est ses initiales OB, il s'appelle Olivier, voilà. Il bosse chez Google à Dublin et c'est un ami de très longue date, ça fait 30 ans qu'on se connaît, ou pas loin. Pas loin, 28, voilà. Et donc, voilà, ça, c'est sa petite maison traditionnelle anglaise. Bon, l'extérieur est pas foufou, mais l'intérieur est chouette. Il y a plein de gadgets, comme vous imaginez même pas. Vous voyez, il y a l'interphone qui a parlé. Là. Il a vu avec son téléphone que j'essayais de charger la voiture et que ça marchait pas. Il a débloqué de loin, enfin bref. C'est un vrai geek de malade mental, quoi. Donc, voilà, quoi. Et voilà. Donc, très bien. Bref. Donc, coucou, Blanchouille. Voilà, donc là, je n'ai rien de particulier à vous raconter. Donc, la vie est belle et que la semaine prochaine, bah, j'aurai peut-être un endroit plus sympa à vous montrer, genre le centre de Dublin ou des montagnes ou des trucs. Parce que là, je suis rentré il y a 5 minutes, juste le temps d'acheter une bière. Donc, voilà, je vais aller me verser une petite Guinness et puis je vais aller faire un petit... alors, attendez, parce que j'ai pas le temps de lire le chat. Comment je le raffiche, là? Hop, voilà. Chat en direct. Non, je le vois plus. Purée, comment je fais pour revoir le chat, là? Ah, voilà. Coucou, ma blanchouille. T'es plus modérateur. Bah, c'est une erreur de ma part. Je sais pas ce qui se passe. T'as pas changé de compte Gmail ou un truc comme ça? C'est bizarre. Hein, ouais, c'est pas normal. Hein. Donc, voilà. On va rentrer. On va boire une Guinness ensemble. J'ai une petite énigme de maths éventuellement à vous poser. Mais, hop, mais on est que deux, je crois, blanche, en fait, là. Il y a... Je sais pas. Les gens, ils sont vraiment tous en vacances, quoi. Hop, hop. Alors, il y a Luna qui nous accueille. Hop. Voilà, petite maison irlandaise. Hop, hop, hop. Ah. Et donc, si nous intéresse, hop là, le frigo. Hop. On dirait qu'il y a eu un petit problème de connexion là. Hop. Bon, ça marche ou ça marche pas? Hop, voilà. Hop, on dirait que c'est fait pour. C'est-il pas beau la vie? Hop. Cette vidéo sans intérêt, mais alors, grave. Je crois que c'est la pire de toutes. Hop. Hop là. Ah bah bravo, Gilles, tiens. Bravo. Mais alors, c'est beau, c'est ça en fait. Mais... Voilà. La mousse qui monte, là. Bon, j'en ai renversé partout à côté, mais. Hop, ça, c'est pas grave. Voilà, ça c'est beau. Vous voyez, ça devient noir là, petit à petit au fur et à mesure. Moi je trouve ça très très beau. La mousse de la Guinness là qui se densifie là, en haut là. Hop, hop. Petit à petit on peut pas boire là. Ah, il faut attendre, il faut être patient. C'est le principe de la Guinness, il faut être patient. Tant que c'est jaune, on peut pas boire. Luna, ça suffit. Ah. Voilà, Luna, le petit chien qui fait du bruit. Coucou. Tu dis bonjour? Voilà, c'est bien. Hop.
Et donc voilà, donc je vais boire une petite Guinness à votre santé, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez les bonnes vacances. Donc voilà, c'était comme on est mercredi et qu'il est 21h heure française, je crois. Je ne suis pas gouré parce que là, il y a un petit décalage, il est 20h là pour moi. Mais normalement, il est 21h en France. Donc je vous fais un petit bisou. Et puis j'ai une petite énigme de maths à vous poser. Mais alors, il y en a que 3, mais c'est pas grave. Vous avez, si vous regardez en replay, vous pourrez la chercher. Voilà, pour la semaine prochaine, vous mettez la solution en commentaire ou vous me l'envoyez à maths adulte vers le premier qui trouve. Il faut trouver 7 nombres entiers consécutifs A, B, C, D, E, F. Ça fait que 6, ça. G. Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est. C'est pas forcément. Voilà, c'est 7 entiers consécutifs, mais ce n'est pas forcément A le plus petit et G le plus grand. Hein. C'est A, B, C, D, E, F, G, G. Mais on ne sait pas lequel est le plus petit, quel est le plus grand. Mais c'est 7 entiers consécutifs. Et il faut qu'il vérifie X moins A fois X moins B fois X moins C est égal à X moins D fois X moins E fois X moins F plus G. Voilà. Le plus G est en dehors des parenthèses. Hein. Et ça doit marcher pour tout réel x, voilà, il faut l'égalité des polynômes. Donc il faut trouver 7 nombres comme ça. Allez, on fait un petit concours voilà, pour vous occuper pendant vos vacances, que vous ennuyez là pendant les randonnées. Et donc j'attends dans les commentaires le premier qui trouve la solution. Ok, donc je répète l'énoncé, il faut trouver 7 entiers consécutifs A, B, C, D, E, F, G. On ne sait pas dans quel ordre ils sont, hein. C'est pas forcément A le plus petit, mais, hein. Tel que x moins A fois x moins B fois x moins C soit égal à x moins D fois x moins E fois x moins F, le tout plus G. Voilà, amusez-vous bien, j'attends les réponses. Je vous fais un bisou et puis à la semaine prochaine, je vous ferai une autre petite vidéo, ça va. Enfin, j'espère. Plus que celle-là. Voilà. À la vôtre. Passez des bonnes vacances et puis à bientôt. Ciao, ciao.